Les Étrusques, c'est un peuple qui a vécu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Si je dis le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'en fait, petit à petit, les Étrusques ont été conquis par les Romains, ce qui veut dire que, ben, comme souvent, hein, l'histoire préfère les vainqueurs. Et donc, les vaincus, qui étaient les Étrusques, ont été un peu oubliés par l'histoire. Alors, je dis un peu parce qu'en fait, il reste un héritage étrusque chez les Romains, puisque les Romains ont emprunté pas mal de choses aux Étrusques, du vocabulaire, ils ont emprunté aux Étrusques le théâtre, la comédie, la tragédie, ils ont emprunté des signes du pouvoir, des symboles comme le trône, par exemple, la trompette, par exemple, enfin plein de petites choses qu'ils ont empruntées aux Étrusques, mais seulement ce n'est pas dit ou c'est un petit peu oublié par l'histoire. Et donc on a un peu oublié les Étrusques, même s'il y a eu une redécouverte, hein, des Étrusques à partir de la Renaissance. Si un mystère étrusque, l'expression un peu. Enfin, et peu apprécié, hein, des spécialistes. Je dirais que les Étrusques sont intrigants. Oui, il y a une intrigue étrusque. Ça tient surtout à la langue. C'est que pendant très longtemps, on n'a pas compris la langue étrusque. Pourquoi? Parce que la langue étrusque n'est pas une langue indo-européenne et donc n'a aucun lien, a priori, avec le grec, le latin ou d'autres langues antiques qui sont bien connues. Et donc, quand on a des textes étrusques, en l'occurrence, on a des inscriptions, on en a énormément, on en a 15 à 18 000 inscriptions. On ne comprend pas toujours ces inscriptions, surtout lorsque ces inscriptions sont longues. On comprend les textes qui sont courts, c'est-à-dire les inscriptions funéraires avec le nom d'un défunt, j'allais dire sa profession, son activité et éventuellement l'âge de son décès. Mais dès que les inscriptions dépassent 4, 5 ou 6 lignes, alors, j'allais dire, on est un petit peu perdu, et c'est la raison pour laquelle on peut parler d'un peuple un petit peu intrigant, puisque beaucoup de pans de la langue étrusque nous échappent. L'art étrusque, on le connaît. Il y a des objets étrusques dans quasiment tous les musées français. Alors, ils ne sont pas toujours identifiés comme étrusques. Et puis, il y a plein de sites en Italie qu'on peut aller visiter. Il y a surtout des nécropoles étrusques en Italie. Alors, je pense à celle de Cerveteri, qui fait partie du patrimoine, hein, mondial de l'humanité, et qu'on peut aller voir, qu'il faut aller voir, hein, qui est magnifique. Et on a dans ces nécropoles donc des tombes qui sont, j'allais dire, monumentales, hein, par leur dimension, parce que elles se présentent comme des tumulus à l'intérieur, donc j'allais dire des sortes de petites collines de terre dans lesquelles on peut entrer par une sorte de couloir, ce qu'on appelle un dromos. Et à l'intérieur de ces tumulus, on a des tombes qui sont peintes avec des fresques funéraires sur lesquelles on voit j'allais dire, des morceaux de la vie étrusque. Alors, à Cerveteri et encore plus dans un autre site qui s'appelle Tarquinia, on voit des couples qui sont étendus sur des lits de banquet en train de manger, en train de boire. On les voit dans des scènes de la vie quotidienne. Donc, en fait, on a beaucoup de scènes de la vie quotidienne par l'art étrusque. Et donc, par ces scènes, on peut connaître cette vie des Étrusques, même s'il y a beaucoup de choses, évidemment, qui nous échappent. Les écrivains, notamment les romanciers, un romancier anglais comme David Herbert Lawrence, celui qui écrit L'amant de Lady Chatterley, a gardé comme image des Étrusques l'image d'un peuple hédoniste qui aime manger, boire et, j'allais dire, aimer. Alors, c'est une image des Étrusques, mais il y en a d'autres. Et une autre image des Étrusques que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, c'est aussi celle de gens qui travaillent la terre, puisqu'on sait que l'Étrurie, ce qui est aujourd'hui à la fois la Toscane, l'Ombrie, le Latium, sont des terres très fertiles, mais qui ont besoin d'être cultivées. Des terres dans lesquelles il y a des forêts, il y a des champs de blé. Voilà, on cultive la vigne, on cultive l'olivier. Et donc, il y a tout ce travail de la terre qui fournit une certaine puissance à l'Étrurie. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est le travail des métaux, dans lequel les Étrusques se sont illustrés. Et à l'île d'Elbe, par exemple, ils ont trouvé du minerai de fer qu'ils ont retravaillé, enfin du minerai qu'ils ont retravaillé, des hématites de fer qu'ils ont retravaillé pour obtenir du fer. Et on a des restes d'ateliers où ils travaillaient là. Enfin, ils sont révélés très très fort dans la fusion du fer, dans le travail du fer. Et donc, il n'y a pas que l'image, hein, d'un peuple qui mange, qui fait la fête. Il y a aussi cette image-là d'un peuple qui travaille, qui produit.
et qui réalise aussi des œuvres d'art, notamment avec ses métaux. Si je me suis intéressée aux Étrusques, et si on peut s'intéresser, si le lecteur peut s'intéresser aux Étrusques, c'est parce qu'on a avec eux l'image, j'allais dire, de la finitude d'un peuple. Les peuples ont une fin. Alors, peut-être pas complètement, justement, c'est ce qu'on voit avec les Étrusques. Et cette fin, c'est pas du jour au lendemain qu'elle se produit, c'est progressivement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour les Étrusques. Les Étrusques ont ils sont un peu malchanceux, enfin, ils n'ont pas eu de chance. Et ils étaient voisins des Romains, qui sont un peuple, on le sait, hein, conquérants. Et donc, ils ont été un peu victimes de ce goût des conquêtes des Romains, même si les choses sont pas aussi simples. Hein. D'abord, cette conquête des Étrusques par les Romains, c'est produit très, très progressivement. Et puis ensuite, il y a eu des alliances aussi entre les élites étrusques et les élites romaines, ou du moins les élites étrusques de certaines cités. Et donc, certains aristocrates étrusques ont trouvé certains avantages à ce que les Romains prennent le pouvoir dans leur cité. C'est un moyen aussi pour eux de conserver, une certaine prééminence sociale sur des couches de la population qui étaient prêtes peut-être à se révolter. Et donc, il n'y a pas une coupure et une différence aussi nette entre étrusques et romains, comme on le dit souvent. On peut faire plein de choses pour s'intéresser aux Étrusques. Alors d'abord, j'ai dit, on peut aller en Italie, mais pas seulement en Italie. Il y a des sites étrusques, même en France. Aller en Corse, aller à Léria, où Léria était un comptoir étrusque, a été un comptoir étrusque. Et donc, on peut aller voir à Léria des tombes étrusques. Il y a au musée d'Aléria des objets étrusques. On peut aussi aller à Lattes, dans le sud de la France, où il y a aussi des objets étrusques. Alors ça, c'est un aspect. On peut aller visiter les musées. Il y a dans la plupart des musées français, d'ailleurs, des dépôts du musée du Louvre. Et donc, on trouve des objets étrusques dans la plupart des musées français. Et puis, on peut lire des romans. On peut aussi aller voir des films, regarder des films sur Internet. Et il y a certains films sur les Étrusques qui sont plutôt amusants. Moi, je recommanderais, à titre personnel, un film d'Alberto Sordi de 1966. Le titre en français, je crois que c'est « Fumée de Londres », en italien « Fumo di Londra ». Et le film, d'ailleurs, est doublé, on peut le trouver en français. Et le film est très drôle parce que c'est l'histoire d'un antiquaire qui va à Londres pour essayer de récupérer une partie d'une urne étrusque. Et en fait, il essaie de tromper une lady anglaise, une comtesse anglaise. Et il y a une scène mémorable où il essaie de faire passer une fausse urne étrusque pour une vraie. Et donc, il conseille à la comtesse en question de mettre de la sauce tomate sur l'urne en question. Il la met dans le four et puis finalement, l'urne s'effondre. Et le film est plutôt pas mal fait, assez ironique justement sur le patrimoine étrusque et sur l'argent qu'on peut en tirer, puisqu'il y a aussi toute une économie en Italie sur cette archéologie étrusque. Il y a ce qu'on appelle des tombaroli, c'est-à-dire des fouilleurs clandestins qui fouillent des tombes sans en avoir l'autorisation ni forcément les compétences. Et pourquoi est-ce qu'ils les fouillent? Pour récupérer des objets étrusques qu'ils vendent ensuite au marché noir et pour en retirer évidemment des sommes conséquentes.